Monsieur Jante a annoncé le titre journal là. Autorité dans pays Bahamas intéressée là pour être capable de voir troupes anti-militaires bahamiens eux-mêmes pour venir en Haïti dans cadre demande force étrangère internationale qui fait beaucoup d'autorité autorité haïtienne selon ça qu'a discuté là dans conseil sécurité de l'ONU et qui t'a décidé voyer une mission militaire en Haïti qui donc un bien pays Bahamas intéressé avec ça mais surtout pour garder pour permettre capable de contrôle par rapport avec quantité haïtien qui a poté bourré illégalement sous les Bahamas tout ça après entrer avec présence troupes militaires ça yo si yo t'a accepté pour que parmi soldats qui apportent dans le pays, hein, mais beaucoup d'autorités et bahamiennes, selon ça qui dit, non, pral venir avec Andy, correspondant permanent, nous depuis les Bahamas, qui c'est Ronald Pierre, qui pral ben plus de détails sur ça, mais écoutez qu'autorités bahamiennes, yo intéressé avec question pour t'avouer, mais soldats, ben militaires bahamiens, non, parmi soldats qui apportent pour arriver en Haïti, là, si ça t'a décidé comme décision, dans le Conseil de sécurité, le entendez ça avec détail avec Ronald Pierre. Une grande salutation à auditoire et internaute Radio Mega. Ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Gédéus Victor a décidé de rappeler M. Anthony Pierre Boutus qui était chargé d'affaires Haï dans l'ambassade d'Haïti dans Bahamas dans le mois août passé. Il est remplacé par M. Louis Harold Joseph. M. Joseph prend fonction comme chargé d'affaires Haï depuis le début du mois de septembre et il était tout organisé funéraire à 9 compatriotes qui étaient noyés dans la mer Paboïcite date 24 juillet 2022. Monsieur Louis Harold Joseph a pris un nouveau visage d'ailleurs. Il était là dans Bahamas comme ambassadeur. Il était passé 8 ans et c'est 4 octobre 2010 qu'il a quitté poste. Autre information qui fait la une, il y a deux ministres dans le gouvernement pays Bahamas qui font des déclarations sur la situation qui a passé dans le pays d'Haïti dans fin et début semaine ça. Ministre Affaires étrangères, Fred Michel, a déclaré, pays Bahamas est capable de dans le cadre d'intervention une force multinationale Nations Unies pour faire face à troubles et instabilité qui gagne en Haïti. Monsieur Michel dit, il a pris note de toute invitation l'ONU à faire de une force à collaboration en raison relation entre deux pays. Ministre Affaires étrangères a fait un rappel, pays Bahamas s'est participé dans une mission comme ça. En 1994, il a envoyé 141 soldats. Cependant, ministre de sécurité nationale, M. Wynne Monroe, dit si Bahamas fait partie force multinationale là, c'est pour intérêt pays, c'est déployer troupes dans mitan la mer pour empêcher migrants haïtiens rentrer dans le pays Bahamas. Depuis Nassau Bahamas, Ronald Pierre pour Radio Mega. Et voilà, merci à vous avec Ronald Pierre depuis Bahamas. J'en suis entendu l'an côté autorité bahamienne. Eux-mêmes, ils ont décidé, ils ont gagné. Intention là, ont intéressé pour t'avouer du soldat bahamien, non, on dit force multinationale qui t'a capable de venir en Haïti si toutefois autorité ou bien pays membre conseil sécurité de l'ONU et t'a capable, t'a décidé sous demande qui fait beaucoup d'autorités haïtiennes qui mandent force multinationale étrangère pour venir aider dans la crise humanitaire pays a fait face, non. Mais c'est ça, nous tendez, on dit réaction bien, comment que autorité bahamienne a une volonté pour ça, pour t'avouer du soldat bahamas vin en Haïti. En ville à Canon en Haïti avec information si là côté que Paul SDP dans branche qui trouve dans Nipnan qui c'est Benergelus il fait connait pouvoir qu'il a lui même là il est caché sous visage sous image papa nation Jacques Dessalines les demandé pour force étrangère vinn pile sol non selon ça qui dit dans sens ça Paul secrétaire démocratique populaire dans branche dans département Nipnan mandé peuple haïtien continuer bataille pour permettre pays en joindre droit grand dette majeli et puis fait échec à plan trahison pouvoir en place là Benet Gélus Tenamico que son permanent nom en Claude Claire Saint depuis ville Miragouan département ni pays et d'Haïti et tomber dans situation qui difficile et que jusqu'à présent non pas cause c'est plus gros c'est jour qui était un plus gros piège et que Occident était préparé pour nous ces jours et son gros jour de deuil et nous pensons tout le mois d'octobre là c'est deuil pour nation haïtienne non parce que il était perdu leader important ça que bon Dieu était ba nous et que assassin yo et colon rouge à colon noir yo t'est comploté yo t'est assassiné li et bien donc jodi a une autre fois encore et nous dit que
nation a gagné pour lui renaître et de descendre parce que l'histoire